parce qu'en fait, elle réunit de multiples crises, qui sont les crises de la société. Donc, il y a une crise majeure dans notre société en matière de santé mentale. Je pense qu'on n'a pas calculé l'impact du Covid et toute la dégradation de plusieurs facteurs de risque, de parents en très grande difficulté, en certaines souffrances, en grande pauvreté, font que cette partie d'une politique sociale qui s'appelle la protection de l'enfance est celle qui voit arriver des enfants qui vont de plus en plus mal. Le repérage n'est pas fait dès le plus jeune âge, donc ils arrivent assez tardivement dans des dispositifs qui, eux aussi, sont en grande souffrance du métier du lien, ce métier du travailleur social qui est le métier essentiel, et étant lui aussi en grande crise de vocation, tout d'abord, ce qui nécessite, et le livre blanc du travail social le montre, de retravailler avec un corpus qui s'intègre évidemment avec la revalorisation du métier, mais pas que. La formation initiale, la formation tout au long de la vie professionnelle, les savoirs acquis doivent être... Il y a l'expérience, mais elle ne suffit pas. Aujourd'hui, il y a de nombreuses évolutions, comme les neurosciences, qui est les besoins fondamentaux des enfants. Ils ont besoin d'un environnement sécure. Donc, le travailleur social peut aussi, par manque parfois de vision sur ce qu'est le devenir d'un enfant, d'avoir cette capacité à pouvoir aussi ne pas lui être lui-même facteur de nouvelles ruptures. Ce sont des enfants qui, même maltraités, quand ils partent de chez eux, sont des enfants qui vivent un abandon ou une rupture, qui ont un impact très fort dans leur développement. Et donc, il est très important que les ruptures ne se continuent pas dans le travail social. Et malheureusement, souvent, leur parcours est fait que de ruptures. La réforme, elle est essentielle. Donc, les urgences, en fait, aujourd'hui, comme on est en commission d'enquête à l'Assemblée nationale, je n'ai pas toutes les réponses. Ce que je sais, c'est que tous les clignotants sont au rouge. Dans les urgences, l'exemple que nous pourrions prendre, c'est ce qu'on a su faire pour le Covid. On a su ouvrir les portes, les fenêtres, pour justement faire rentrer dans la protection de l'enfance, qui avait été oubliée par l'État d'ailleurs, dans les circulaires, la capacité d'avoir de manière pluridisciplinaire, plein de personnels qui venaient s'occuper d'enfants qui, eux, restaient 24 heures sur 24 dans les foyers ou les MECS ou les différents accueils qui peuvent être faits pour eux. Ça, c'est très important parce qu'on a su innover et en urgence. Aujourd'hui, vu la situation dans certains établissements, je pense qu'on pourrait prendre cet exemple dans l'urgence pour dire tout de suite, maintenant, on ouvre, on fait rentrer des gens de manière pluridisciplinaire pour apporter aux enfants et aux éducateurs qui y travaillent un peu de souffle, un peu de vision partagée de l'accompagnement des enfants. Pour le plus long terme, là, je crois qu'on l'a dit encore dans les auditions ce matin du CESE, nous, on a besoin absolument de voir une vision globale de l'enfant. Je le porte depuis longtemps à l'Assemblée pour que la protection de l'enfance ne soit qu'un pan à l'intérieur de ce pilier. Mais l'enfance, investir sur l'enfance, c'est investir l'avenir. Et pour moi, c'est l'essentiel. Et puis, pour finir, ça coûte en milliards d'euros de ne pas investir. Un enfant ne reste pas un enfant, il devient un adulte. Et on construit des concitoyens, des citoyens pour demain. Et ce qu'on veut, c'est que ce soit des citoyens libres, éclairés, en bonne santé si c'est possible, et en tout cas qu'ils aient un meilleur avenir que ce qui est actuellement le cas.